Allez, ballon dans les pieds de Belaïli. Allez, Qui Belaïli. s'infiltre et qui va renverser le jeu sur la droite. Oh, c'est bien joué cette Destination passe. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez en 1 Riyad contre Mahrez. 1. Riyad Riyad Mahrez Mahrez. contre un Riyad Mahrez passeur dans qui le champ vise de le réparation. cœur. Riyad Mahrez. Et quoi, il marque contre son camp. Oh, ça fait 1-0 pour l'Algérie. Oh là 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 là, bravo les Algériens. Il marque contre son camp de Trostécone. Oh, ah, c'est bon, ça me va pas dire que c'est démérité pour les Algériens. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Très bon remerciement de Belaïli à destination de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui s'est débarrassé de Collins, qui l'a laissé sur place, qui a centré et le centre. Contré une première fois, qui revient sur Ekong et qui trompe son propre gardien, malheureusement pour le Nigeria. Et Chukwueze. Qui pivote sur lui-même. Allez, qui s'appuie sur Etebo à nouveau. La frappe d'Etebo. Elle était dangereuse, elle avait très récupéré. C'était Bounedjah le dernier qu'il avait. Ah, les Nigériens réclament quelque chose. Ouais. C'est encore les Algériens qui l'ont. Avec Riyad Mahrez qui va lancer Feghouli. Ça va être compliqué, il va se battre. Sofiane Feghouli. Les passes de Riyad Mahrez par contre. Hein. Oh là là, faut qu'il s'applique plus quand même Riyad Mahrez. La frappe a été dangereuse, hein. Je pense qu'elle était pas mal. Elle est contrée par une main. Elle est elle est contrée par une main. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, Igalo a réclamé quelque chose. Mais c'était vraiment une main qui était long du corps pour le coup. Et puis je pense qu'elle est tellement vite que voilà, même nous on l'a pas vu. On a dû attendre le ralenti pour voir ça. Donc l'arbitre à vitesse réelle, il a pas attention vu. À ce que la VAR ne revienne pas dessus. Malgré tout, jamais à l'abri d'une surprise. Ah non, elle n'est pas le long du corps. Hein. Ouais, ouais, elle non. est détachée. Ouais, clairement. Ah, ouais. L'arbitre, j'ai l'impression qu'il ne le signale pas. C'est chaud. Non, dans le cas. Bon, on va dire que la réussite est pour les Algériens ce soir. Alors que là, l'arbitre interrompt la rencontre. On lui parle à l'oreillette, j'ai l'impression. Ah, encore un coup de la VAR. Enfin, on dit le VAR, apparemment. Ah, le VAR. Ouais. Le VAR. Hein. Le VAR, ouais. C'est vrai que c'est manifeste quand même. Là-bas, c'est les... manifeste, voilà. En soi, il devrait vraiment avoir coup franc. Enfin, pour revenir sur le match du Sénégal, mais bon, en soi, tu vois, si tu ne suis pas là, tu ne suis pas là non plus. Il était pas dans la surface. Là, il était pas dans la surface. Ouais, il était dans la surface. C'est un penalty. Si jamais il y a faute, que c'est penalty. Ah, là, c'est penalty en fait. Parce qu'on fait appel à la VAR pour des situations précises à l'intérieur de la surface de réparation, pas à l'extérieur. Clairement, à l'intérieur de la surface, j'avais pas vu où tu es positionné dans Kaïssa Mandji. Penalty, c'est pour l'Algérie. Oh non 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 non. Et carton jaune pour Aïssa Mandi. La double peine pour les Algériens parce que là Aïssa Mandi va devoir jouer sur le frein jusqu'à la fin du match et ça va être compliqué pour eux. Et en plus de ça, penalty pour le Nigeria sur cette action d'Aïssa Mandi qui a mis la main complètement décollée du corps hein, et on voit qu'il y a quand même une petite attention de la part du défenseur algérien de rapprocher son bras de la trajectoire du ballon. Allez, c'est parti. Allez, Gianni Gallo qui s'élance. Igalo, qui frappe le but. Le but de Gianni Gallo. Gianni Gallo, l'attaquant nigérien qui égalise dans cette demi-finale de la CAN 2019 et qui amène le Nigeria à un partout dans cette deuxième demi-finale. C'est pas vrai, malheureusement pour les Algériens. Bien joué avec Belaïli. Allez, Belaïli. Mahrez. 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 Attention, peut-être. Ça va bien. Faute, coup franc. Très important, coup franc pour l'Algérie. Très important, coup franc pour l'Algérie. Ça, c'est la balle de match qui va se jouer pour les Fennecs, là, sur cette balle, les gars. Il aurait dû tirer, la Riyad Mahrez. On sait que Riyad Mahrez, il aime bien. Qui en même on sait qu'il est frappé dans cette position, on le sait. Je le sentais. Et Riyad Mahrez qui libère le peuple algérien et qui qualifie l'Algérie en finale de la CAN 2019. Ah, c'est incroyable, Riyad Mahrez. Ah, on l'a senti, Riyad Mahrez qui était prêt à botter ce coup. Incroyable, Riyad Mahrez qui qualifie l'Algérie